Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau unboxing où aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez voir avec la caméra, coucou, sur le unboxing de la PS Vita que je vous ai présenté dans mes derniers achats dernièrement. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va se faire un petit unboxing, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dans ce fameux, cette fameuse boîte de cette PS Vita édition. PH1004, voilà. Alors, on va ouvrir ça croquillement. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Voilà. Alors, on a déjà des petites cartes. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pris une petite caméra pour faire des unboxings qui est un peu plus petite. Voilà. Des cartes qui servent à quoi? Je sais pas pourquoi ça sert en fait. Vous avez besoin de garder présentement ces cartes pour profiter des jeux exceptionnels avec réalité augmentée sur votre PS Vita. Ok. Ok, c'est un petit peu comme en fait. Ok, là c'est un code. On va le mettre comme ça. Voilà, des cartes comme ça. Et. Tout le monde connaît, hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Des notices, toujours des notices, ou qui explique bien sûr comment fonctionne la PS Vita, comment insérer une carte mémoire sur la PS Vita, parce que comme on est con, ben on sait pas. Après, toujours du blabla, encore du blabla, voilà, encore du blabla. Déjà, en blabla, bah, c'est bien fourni hein, sur le truc de la PS Vita. C'est déjà pas mal. On peut remarquer ça du première vue. Alors aussi, petite nouveauté que vous voyez sur le unboxing, c'est que j'enregistre ma voix avec mon micro. Parce qu'avec la caméra là que je fais, le son, il est pas top. Voilà. Bah, ça, c'est le petit truc en plus. Après, j'ai une pub sur la PlayStation Network, sachant où on peut acheter des choses. Voilà, je vais sûrement acheter des choses aussi. Voilà, avec une pub, on s'en fout, mais bon. Toujours bien. Après, on va passer au gros des choses. Le chargeur. Alors, nous avons le chargeur. Voilà, ça, c'est une partie du chargeur qui est là. C'est vraiment très fin. Voilà, officiel Sony. Nous avons une autre partie. Un autre câble, et je pense que ce câble-là, on peut après le relier à l'ordinateur, voilà, qui se branche ici comme ça, voilà, et la prise secteur pour pouvoir bien sûr la charger. C'est vraiment tout con, voilà, et qui se branche comme ça. Hop, ça des prises comme ça, tout le monde en a. Hein. Voilà, nous avons deux petits plastiques que je vais remettre bien dans la boîte pour bien sûr pas les perdre. Nous allons maintenant prendre la bête qui est là, que j'ai pas encore testée, que je vais m'empresser de tester, voilà, pas avec vous. Voilà, elle est magnifique, très grande. Très large par rapport à sa petite sœur la PSP que j'ai plusieurs versions, je crois j'en ai trois. Derrière vous avez tout le côté tactile, l'arrière, voilà, les gâchettes. Ici il y a le bouton on off, là c'est pour entrer les jeux, là je sais pas, là c'est pour le volume. Ça c'est les touches X, carré, rond, triangle, le joystick, un autre joystick, bouton start et select, bouton PlayStation, la sortie audio, les tours directionnels, la prise pour charger, la prise casque. Et ici, ça doit être quoi ça? On va l'ouvrir. Hop. C'est pour la carte mémoire à mon avis. Voilà. Voilà, je vous la laisse admirer. C'est la version 1004. J'ai pas de protection pour moi. J'ai pas de pochette de protection. Ici, il y a une petite caméra. Il y en a une autre.
juste là. Voilà. Parce que je l'avais déjà vu de près dans un magasin le jour de sa sortie. J'ai eu du mal à y jouer parce que j'avais pas trop compris le système du comment du pourquoi qu'est-ce. Voilà. Après, nous avons quoi d'autre? C'est tout? C'est déjà fini? Non. Ah, il déconne là. Ah, je suis déçu. Ah, je suis grave déçu là. Ah ouais, je suis grave déçu. Parce que... Qu'est-ce qui manque? Des écouteurs. Pour pouvoir... des écouteurs officiels de PS Vita, il n'y en a pas. Il manque minimum petite carte mémoire. Loutek Audrey m'avait dit, écoute, dans un pack comme ça, t'as, au minimum, t'as une carte mémoire de 4 gigas. Même pas. Et au moins une... Pas une un truc pour protéger la console, quelque chose. Alors là, on a qu'un truc en plastique pourri là que je vais remettre dans la boîte. Franchement, je suis très 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 déçu de ce pack que j'ai payé 199€ quand même. Ils auraient pu faire mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais récapituler ce qu'il y a dans le pack. Et vous avez le chargeur de la PS Vita qui est juste là. Les petites cartes pour pouvoir jouer en qualité haute, machin, du chouette, haute réalité. Voilà. Que je vais remettre de suite dans leur boîte parce que ça va jamais me servir. Peut-être une fois ou deux. Tous les documents. Voilà. Et puis bien sûr, la console, la bête que je laisse ici, qui va me servir de suite, que je vais tester. Voilà. C'était, hop, mais ça comme ça pour vous montrer. Bon, elle est pas droite, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, si vous préférez. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Déjà, vous avez eu la Nintendo 2DS dernièrement. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce petit unboxing vous aura plu. Je ferai sûrement des tests sur la console, sur ma chaîne, si je prends le temps de le faire. Ou sinon, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !